Et on se retrouve pour l'épisode 36. Entre deux, il s'est pas passé grand chose. On était remettre un bouquin à un gars. Et personne n'est mort. Surtout pas lui. Il s'est pas du tout suicidé par autrui. Bonjour les gens. Bonjour. Salut. T'as plein de thunes. Moi, j'ai possède des thunes. Ouh! Mais c'est parce que tu m'as redonné toute ma thune. Bah oui, je sais bien, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de thunes moi. Je possède des thunes. Il y a 72 PO là, gars. Financièrement. Ah, fais gaffe parce que je si, ne on, si on pas. S'était battu contre le mec doré, ça l'aurait quand même buté. Hein. Bon, allez, en avant. C'est vrai. Allez, entrée du mausolée. Ça fait longtemps qu'on s'était pas battu, ça me stresse. Mais c'est vrai que ça a été calme hein, ce soir. Ouais, on a été mou du genou là. Ouais, mais y'a. Bon, vas-y, moi je vous la porte. Ouverture, porte, entrée dans la tombe. Ah, bon, oh, y'a quelqu'un qui parle. C'est un crâne! Je lui parle. Hein? Néré. Pas héros de Balthazar. C'est des gens qu'on connaît ça, Néré. L'autre qui casse! Et pourquoi il tape un putain de sarcophage? Bah parce que je peux pas le casser, c'est décevant. Moi je peux même pas le taper alors. On peut pas le casser, c'est. Il y a un bouquin par terre, c'est pour un vrai. J'arrive. Boum paloum papoum. Oh, il y a un backpack. Il y a un chiffon, tu veux un chiffon? Tiens, je te donne un chiffon, allez. Merci. Il va me le renvoyer, je suis sûr. Au moment où tu t'y attendras le moins. C'est un moment tu en chiffon. Tiens, un scroll de Wolofir. Une Phaser de Pegasus. Oh, un truc pour faire des potions de pain. Et un coffre fermé ici. Et ce truc là, c'est cadeau. Ça, ah, ça je reconnais ça. Ah, je reconnais, je sais pourquoi. Ah, super, merci pour là, c'est super. C'est pas comme si tu allais récupérer dans tous les sens. C'est... Ah bah tiens, en voilà encore, tiens. Allez hop. Putain, oh bien, j'ai même une tête. Non mais on est dans un mausolée, tu vas pas fier tous les os que tu trouves. Mais prépare-toi. Oh putain. Tu n'es pas prêt. Eh, tu crois pas ce que tu penses. J'ai entendu une histoire de coffre. Ouais. T'as intérêt à avoir l'œil ouvert, hein, parce que là, y a plein de squelettes qui traînent, et même quand tu les mets en surveillance, ils apparaissent pas. Il est où, cette liste de coffre? Il est là-bas. Religion fail en passant par ici, si jamais. Religion, c'est intelligence, non? Mais je suis sûr, moi je suis pas religion. Moi, alors, attends, je suis un cléric, normalement je sais de quoi ça parle. Oui, toi normalement tu dois avoir un bonus sur la religion. Et pourquoi y'a rien qui se déclenche? Ah, tiens, Arda, ça peut t'intéresser. Alors, cape de complexion. Moi j'ai une classe d'armure plus 1 et un jet de sauvegarde plus 1 là. Il se fout de ma gueule, j'ai... temporaire après avoir lancé un sort alors que vous avez... que vous battez au corps à corps. Ah oui, non, ça m'intéresse pas. Pourquoi il me dit que l'appel, je peux pas m'en servir? Attends, vas-y, je te file l'appel. On dirait qu'il y a un temple sur cet endroit. Quelque chose enfermé à l'intérieur. Créature démoniaque. Et si j'ai bien suivi, le gars, il a perdu sa fille. En fait, il a tout fait pour la retrouver ou la ramener à la vie, je sais pas trop. Il l'a ramené à la vie, c'est la meuf qui nous a béni. Sérieux? Oh damn, ouais. Oui, c'est vrai. 100%. Mais comment tu sais ça, toi? Bah c'est ça le même prénom. Ça s'appelle l'intuition. Non, ça s'appelle Mélodie. Il voulait la récupérer, il a envoyé un mec exprès pour la chercher. Si c'est pas sa gamine, je sais pas ce que c'est. Bah si, t'as le même prénom. De quoi vous parlez? Y'a un bouton là-bas. Alors moi, quand la révélation est arrivée, j'étais à... Ah ouais. J'étais parti complètement sur autre chose. C'est bien parce qu'il l'a dit... Mais je me reconnais tellement dans cette dernière phrase, quoi. Quel genre d'homme serais-je si je ne rasais pas le monde entier pour la récupérer? Je valide. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et du coup, il y a des pièges un peu partout, faut faire attention. En train de désarmer. On voit le temps que tu les désarmes à force de marcher dessus. Alors, non. Attends, vas-y. Hein. Clique. Allez, vas-y. Let's go, je fais le tour. Allez, c'est... Je tente. Non, attends. J'ai pas eu le temps de le désarmer, celui-là.
clic. Est-ce que je fais clic et je déclenche pas. Si j'appuie sur le bouton, ça fait quoi du gras? Bah ça déclenche les pièges. Non, justement, ça a l'air ici. Moi, je me casse. Non, mais c'est bon, mais j'ai désarmé globalement la plupart des trucs. J'appuie sur le bouton. Renan? Bah, je vous laisse faire. Hein. D'accord. Kétéric Torm à la tête des forces de char. Bah, c'est tout. Voilà. Oui. Et quoi? Y'a un truc. Oh, y'a des têtes de gargouilles, faut peut-être les activer. T'as cliqué sur le bouton ou pas encore? Bah, j'ai déjà cliqué sur le bouton. C'est juste fait. Y'a d'autres boutons. Ça fait clignoter un. Ah, mais oui, y'a des boutons partout. Cliquons sur les boutons. Ouais, allez, voilà, bravo les gars. Kétéric Torm terrassé par la perte de sa fille. Moi, je m'en fous. je vois à travers les ténèbres. Au moins, ça l'était avant. Très bien, ça en fait 3. Et quoi? Bah, je sais pas, c'est tout. Oui, c'est Pascal. Il y a un ordre à faire. T'as appuyé sur les boutons, c'était bleu, c'est passé rouge. À mon avis, c'est pas la bonne combinaison. Bon, on va tester par alors la tour. Ouais, je pense haute lune d'abord, ensuite il perce la fille, et ensuite il fait l'autre truc là-bas. Et à la fin, le magicien il tombe dans un fossé et il meurt. Bah, en soi, c'est l'histoire qui nous a raconté depuis qu'on est arrivé dans l'acte 2. Oh, stylé le piédestal! C'est la gégeance! Le piédestal. Ah ouais, joli! T'es pas prêt, hein! Oh, je vois tous les squelettes là, il y a des sacrés. Ah, bah, c'est toi qui as tous les coffres, putain! La fight! Parce que moi je suis Outlander, c'est pour ça que j'ai pris ce background. Il y a des cadavres avec des armes plantées en eux. Et il y a des os. En eux? Ils ont fait des nœuds avec des armes, c'est totalement con. Ouais. Bon, vous venez ou j'appuie sur la gemme tout seul? De toute façon, tu peux pas appuyer sur la gemme tout seul. Si. Ah, si. Putain. Tu disais. Après, si c'était pour récupérer 4 piécettes ou une dague sur un cadavre, bon. Ouais, mais ça, c'est le moine. Et... C'est le moine de la cupidité. Faudra ramasser des ossements. Oh putain! Mais c'est un ça! Temple c'est incroyable! Ah, mais regardez le nombre d'insectes qu'on se tape, c'est ouf! Hop là! Il m'a envoyé toutes ces merdes encore. Allez, let's go, super! Ouais, non, si, j'ai 6. Attends, moi. T'en as pas assez? Attends, tiens, regarde, voilà! Je les balance par terre! Mais fais-toi plaisir, je m'en fous, ça vaut un PO, c'est pas grave! C'est vraiment juste pour te faire chier, quoi. Ah, mais bien sûr! Tout est une question. Enfin, en plus, c'est bouteille, quoi, mais. J'ai cliqué sur la plaque. Voilà. Et tu me files des trucs qui bouffent alors que c'est toi qui t'occupe des provisions. Je sais pas, je t'ai filé mes merdes. Juste parce que ça te fait chier. Oh, bah. En fou, il y a tout qui est par terre là. Mais je les ramasserai en sortant. Oh putain de merde. Je les ramasserai en ressortant, c'est pas grave. Je clique sur la porte. Là, j'arrive. La dernière plaque, elle veut pas parler. Waouh, wow, voilà. Est-ce qu'il est ce porte? Hear the night song. The answer lies in darkness. Only loss awaits the unworthy. A voice. Is that Shah herself who speaks? J'aime. La galette. Il doit peut-être falloir réussir à la voler sans se faire détecter. Ah. Titi, après avoir marqué dessus. Il y a des pièges. C'est le mec qui se prend. Ah mais non. Est-ce que c'est pas parce que justement il faut être dans les darkness, dans le noir, qui vient de dire la réponse se trouve dans la noirceur elle-même? C'est pas ça l'idée?
Comme ça, fais tout pareil, là c'est... je crois que t'es sur la bonne chose. C'est... Voilà. Non, ça lui plaît pas du tout. Alors, je sais que dans la première run, j'avais réussi à mindfuck le bordel. Ah, ou alors faut essayer d'enflammer le truc en haut là. Alors là, tu peux lancer un truc sur le... l'espèce de... le bras-zéro qui est au-dessus là. Ouais, je sais pas. Bon, bon, oh, ça de... brûle. J'ai plus de mouvement. Bah, on peut se quitter le mode tour partout. Après, oui, oui, quitter le mode tour partout. Hein. Les dégâts, ça fout pas de dégâts. Les ondes de choc. Il prend des dégâts. Ouais, parce qu'il a marché sur des pièges, ce courge. Ouais, bah. Il est où le piège que j'avais désarmé? Bah, là, il y en a un peu partout. Quand même. Il va mourir bêtement. Attends, pourquoi le void? C'est quoi ce truc? Ah oui, d'accord! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais d'accord, quand tu... parce que moi, à chaque fois, j'ai toujours désamorcé les pièges. Ouah! Ouais, on est en tour par tour, hein? Ah, parce que tu prends des dégâts de l'espace? Mais pourquoi ça s'est réactivé cette merde? Approche trop de bi-truc, en gros, ça s'active. C'est con, j'ai cliqué sur désarmer et ça se meurt. Là-bas il y a une tombe. Il y a un piège devant. Oui, c'est ce que je veux. Bon, enfin, après, c'est des pièges qui sont cliqués, ça rend pour moi quand même. C'est-à-dire que je peux pas louper en fait. Qu'est-ce que si je clique là-dessus? Ah. Est-ce que la solution ce serait pas de d'éteindre les trucs que je viens de cliquer là? La réponse si tu dois éteindre. Après une porte, je peux tenter de les péter hein, ou de l'ouvrir simplement. Non mais je suis. Pour résoudre l'énigme. Alors là il y a encore un piège. T'as fait grand pour en gros baisser. Il va falloir baisser les 4 leviers et puis voilà. Ils sont où les 4 leviers? Vous avez trouvé? Ils sont derrière les pièges. C'est vraiment là maintenant je saute c'est incroyable quoi. Watch how you go. Mais je suis passé là juste avant. Toujours plaisant de voir quand tu te bouffes les facteurs de force. Ah du coup faut peut-être éteindre la lampe qui est au-dessus qu'on a rallumée. Là vous avez tout éteint là? Bah, il y a la lampe qu'on a allumée en fait. Touche pas! Ah, c'est. C'est bizarre ça. De quoi? Bah, je me demande si des fois la quête elle est pas buggée. Parce que là, normalement, ça devrait vous faire apparaître un truc. Attends, vas-y, je vais tester un. Pas un truc qui reste illuminé là par hasard. Bon, je vois qu'il y a une tombe par là, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas des indices. Ah non, c'est bizarre. That glowy green, c'est une mais après, est-ce que c'est pas juste faut arriver par devant du. Et, en fait, c'est ça le truc, c'est que là, moi, la dernière fois, quand je l'ai fait. Voilà. Ah, voilà. Après je suis sûr que j'aurais pu juste lockpick la porte en fait. Ouais bah voilà ça fait une petite énigme, c'est pas non plus elle était pas non plus super complexe. J'ai ouvert la porte. Il y a une autre porte sinon il y a deux portes là qui ont été ouvertes. Ah ouais non, c'est ouais regarde déjà... sur la gauche là.
Le ciel était déjà parce que y a un Katox qui était en train de looter avec ferveur. Ici là ? À l'opposé de toi, Arna. À l'opposé. De l'autre côté. Il y a un sarcophage. Mais effectivement, de l'autre côté, la porte s'est ouverte. Allez, donne-nous l'aspirateur là. Vas-y. Ah, t'es bien, je vais l'appeler Roomba maintenant. Roomba. Roomba. Attends, t'inquiète. Ouais, deux fils des trucs à aller sur le champignon. Je sais pas s'il y a des trucs, mais je suis parti. J'invite tout le monde à aller dans cette direction. Oh, ouais. Stylé, il y a un coffre. Il y a des ossements, il y a un coffre. Voilà. Ouais, mais surtout l'air d'avoir blind une bonne grande zone la dernière. Encore des myconides. Ah, on peut leur parler, j'ai l'espoir pour leur parler. Perception fail là où je suis là. Attends, je vais mettre guidance. Ah bah oui, voilà. C'est un... Moi je peux sauter sur lui si jamais. Ouais, je peux lui caster un spell si jamais. Alors ouais, moi je peux sauter aussi, mais 30 HP de dégâts. Attends, bon, c'est vrai, je vais t'aider. Stop. Ah nice. Sinon je faisais le tour moi carrément, je descends par la petite crevasse. Hein. Fais-toi plaisir, tout le monde peut sauter quand il veut. Ouais, je reste ici et je lui balance un spell dans ma gueule. Ah, alors, j'étais caché. Alors, mais... ouais, on aurait pu l'attaquer par surprise. Il y en a combien ? Il y en a un. Si vous pouvez ne pas passer votre tour, putain ! J'ai pas passé mon tour, t'inquiète. Oh, je suis encore. I've been the night. I am the night. Attends, je vais essayer de la stun. T'as tapé ou pas encore ? Ouais, c'est bon, j'ai tapé. Ah. De toute façon, je suis dans le turn order, je suis après donc. Bah, elle est oh. Oh là là. Ouais, c'est bon, au revoir le. Je pense qu'elle est morte. Oh ouais. Putain. C'est n'importe quoi. Y'a rien dessus, y'a même pas un item. Y'a un coffre. Surveille un coffre. Il voulait du double loot lui. Élémentaire mineur, pas ouf. Paf. Une porte là encore. Alors si vous voyez des bols à encens, ça rapporte un peu de la thune. Des quoi ? Des bols à encens ou de l'encens, ça rapporte de la thune. Katox, il va sur tous les endroits où je veux looter. Ah. Je viens de faire un sacrifice pour un ouverture de porte. Oula. Là y'a plein de... Y'a du loot ! Y'a plein de champignons. Des champipi, des champipi. Y'a des mobs. Je sais pas s'ils sont gentils. C'est des rats. Ah, faut laisser Katox leur parler. Oui, laisse-moi les parler. Oh, y'a plein de trucs à loot. C'est pas moi qui ai sauvegardé, donc c'est-à-dire que c'est. Bah, j'ai arrêté de bouger. J'ai arrêté d'inspirer. Qu'est-ce qu'il dit ? Je me suis caché, j'ai arrêté de bouger. Indigne. Me disent de partir. La vaisselle en argent aussi, ça rapporte de la thune. Hein. Et les ossements ? Non, les ossements, on s'en fout. Il y a de la soupe de champi, il y a des assiettes à récupérer. Est-ce que j'attaque le rat ? Ah, do as you wish, hein. On attaque le rat. Oh. Ok. J'ai envie de tester un truc. Tu vas leur cramer la gueule. Là t'es en combat là ? Ah ouais. Ok. Ah, je peux en avoir que 4 là. Ah, c'est vrai que c'est pas très puissant. Hein. Ouais, what ? Attends, mon attaque d'opportunité elle est partie dans le vent. C'est la pauvre bête ! La pauvre bête ! Attends, c'est toi ou c'est moi qui a crit ? Je sais pas, mais la pauvre bête en tout cas. Je parle c'est moi qui ai crit. Le char. J'ai mis 26 points de dégâts dans la gueule. Oh, belle trouvaille encore. On avait déjà le. Hmm.
Vous avez fait l'hôtel de char, là ? Il est en train de... Je suis en train de faire que mon entité vole la magie de l'hôtel. Oh, vas-y. Ça va ! Ça va ! Petit bonus de 12, là, ça passe tous les jours. Voilà, voilà. On dirait moi quand j'ouvre un coffre. A pleasurable shiver runs down your spine. You feel as if you've unburdened a troubling thought and forgotten it forever. An overwhelming satisfaction, both innate and exterior, runs across your being. Your patron is pleased. Bébé. Je sais pas ce que j'ai gagné. Ah, il y a une plaque sur laquelle on peut cliquer là. Oh, il y a des leviers. Vas-y, c'est au dégât nécrotique, je crois. Oh, un squelette. Ah ouais. Avec une clé. Ah. Est-ce que c'est pas des morts vivants par là-bas? J'ai bénédiction de la dame sombre. J'ai faveur de champ nocturne. J'ai en parallèle bénédiction de pixie, bénédiction de céluné. Le mec, il est béni par la moitié de la terre. Bah t'as un warlock quoi. C'est ça. Alors duelliste reconstitué, archidéliste reconstitué, archidélite reconstitué, c'est du niveau 7. Oh, on leur pète la gueule, on est niveau 9. On peut leur parler. Ah. Ils sont vulnérables aux dégâts contondants, mais ils ont une immunité sur les dégâts de poison. Ils m'ont dit parler, ouais. Ils m'ont dit approcher tout de suite. What? Allez, j'approche tout de suite. Moi, je vais le mettre en... Why are you friend, foe, thieving scavenger? Scavenger. You find yourself. Non, mais t'as la bénédiction de Charles, ça doit être fait. Somehow hosting his tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. Ooh. Ouais, attends. A friend, an uninvited friend. Il y avait un tracé scarifié, le gars. I did not request help. Ouais, c'était chelou ce qu'on voyait. Wow, attends, j'avais jamais vu cette scène, moi. Ah non, deux, pour savoir qui c'est derrière. T'as vu cette cinématique, peut-être que ça permettra d'avoir des infos. Come join me and find out. I want to look at you with my own eyes. Stinking pile of ogre afterbirth! The quakes herald the shadows. They found me. No. Monsieur. Ah. Qu'est-ce que c'est cette chose là? Ah. Ah bah les fameuses armures machin là. Ah mais c'est pas les trucs qu'on a défoncé tout à l'heure là? Les justiciaires justement. Oh, ça va, 36 PV. Alors attendez, juste, c'est qui les méchants là-dedans là? Ah, les yeux en rouge. Ah, c'est juste le justiciaire tout seul? Mais t'as le sou. Ouais, alors. Ce fuligineuse, c'est de la. Ah, dedans. on peut tuer les Umbral Terreur par contre? Ok. Oh, attendez. Oh là, y'a des gens qui arrivent par derrière, eh. Je te laisse taper Katox, vu que c'est toi qui va leur faire. Attendez, juste. Quoi, attends avant de taper, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a juste moyen que t'attendes avant de taper? Non. Ce serait très sympathique. Les archers d'élite reconstitués derrière, c'est des alliés. Hein. Oh, oui. Moi j'ai tapé ça. Superbe. Bah quoi, je l'ai pété. Bah c'est bon, attends, non, mais... Non, mais c'est parce que comme ça, je peux continuer d'avancer en fait. Et aller taper l'autre. J'attends que tu finisses avant de balancer le moindre spell. C'est plus juste pas dans le combat, donc tant qu'à faire si je peux buter ce truc là. Bon, je vais jouer, je vais SPF. Bah c'est bon, moi c'est bon. Ok, du coup, je vais lui balancer un petit coup de glace. 99% de chance, avantage. Allez, 23. Et il est à terre.
Et surtout que Atelier s'est pas cassé la gueule, et ça c'est beau. Mais je peux pas me casser la gueule. Ah bon? Ah oui, toi, c'est vrai que... Non, c'est bon, je suis au niveau où globalement, je crois, plus rien ne peut m'affecter quand c'est par terre, globalement. Non mais faut les buter là, tous les morts vivants là, 7 XP là. T'inquiète. Ouais, si vous voulez un peu plus de challenge, je vous ferai une proposition. Bah c'est vrai que là en ce moment c'est assez simple quoi. Les derniers combats un peu durs où je trouvais c'était aller contre les trois bestioles là, les trois justiciaires de la dernière fois là. Ah non, il y a trois justiciaires. Tu sais, dans le temple où ils ont eu le... Ah oui. À la limite, c'était... Ouais, vite fait. Ah mince, il en restait un derrière. En fait, j'aurais pu y aller encore. Ouais. Ah ouais, continue d'invoquer. Ah, il en fait d'autres. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Alors, la... La truc fuligineuse... Ah ouais, non, c'est peut-être le tour d'après. Bah, je peux le taper encore, donc vas-y. Alors en gros, si vous pétez les... Comme vous l'avez vu là avec celle qui restait elle a TP un adversaire, en gros si on les pète pas, ça fait pop un adversaire en plus. Mais par contre ça en fait d'autres, genre elles s'auto-créent, j'ai l'impression, les terreurs... Ouais. C'est relou ça. Bon, t'as vu, elles se font one shot donc... Non mais c'est plus, là il y en a deux à la fin du tour quoi. Ah bah il va y avoir juste deux adversaires, c'est pas non plus... Mais celle qui sera la grosse trémor qui va apparaître au milieu, je vous invite à pas la détruire du premier coup. Comme ça fera pop un adversaire un peu plus costaud. Ah. Bah oui. Qui rapporte en plus de l'XP tout pas. Ouais. Allez, on va bien te faire faute. Je crois qu'il a essayé de me taper, mais... Ouais, je crois aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il fout de là, tous, là? Bon, lui, il est mort. Voilà. Voilà, tes trucs au milieu, là, celle-là, la tuez pas. Celle-là, 32 PV. Pas de problème. Alors, déjà, on va sauter, regardez. Hop. Je te dis, hein, si tu... Enfin, fais gaffe, pas la péter. Ah, mais je ne vais pas l'attaquer, je vais taper le truc là-bas. Tu peux buter celle qui est à côté de moi? Ouais. Merci. Il me reste une. Oh. J'ai bien le... Oh bah il me reste encore une. Et bah voilà, c'est bon. J'espère qu'ils vont pas taper dessus. Non bah normalement ils font rien du coup parce que c'est... Je sais pas pourquoi ils pensent pas que c'est un ennemi. Du coup moi je vais me mettre en position. Alors, tu peux lui taper dessus un petit peu, mais juste non, lui mets pas... Ah, 32, c'est y a pas assez de PV là. Je vais pas gâcher quoi que ce soit là, je me mets en... Non, mais même un cantrip, non, tu peux balancer un cantrip, je pense, pour commencer à l'attaquer sans que tu la pètes. Ah, quoique, elle va disparaître je crois après, donc... Ouais, voilà, et mon amulette, à un moment donné, elle va faire quelque chose, je peux la changer. En fait. Oh bah c'est juste, c'est pour te refill de deux key points et avoir un shatter, hein, mais après... Je vais mettre un petit peu d'acide sous elle. Y'a moyen que t'aies des trucs plus intéressants que ça. Bah c'est ce que je suis en train de me dire. Hein. Bah faut qu'on... Ce que je te dis, hein, moi j'avais dans mes sacs là, des amulettes... Je crois que j'ai un truc de Misty Step. Bon après c'est juste une utilisation par short rest donc... Oui mais c'est... Enfin tu vois, là c'est... De toute façon le truc du ki je peux pas m'en servir pendant le combat, en fait. Mm-hmm. Ah moi j'ai un truc... ouais j'ai une amulette qui fait Misty Step ou une qui rend là... vulnérable. Voilà, toujours pas joué. Passe ton tour. Soigne-toi, je sais pas. Attends, ouais, je vais m'approcher, pardon. Ouais, non, mais pas non, c'est une action bonus. Enfin, j'espère. Ouais, parce qu'en tacticien, c'est à partir du seul tour où elle reste en vie, ça fait pop l'adversaire. Peut-être que là c'est deux tours. Non mais en fait ils arrivent et ils peuvent pas jouer pendant le tour où ils arrivent. Oh là là. Ça va. Heureusement qu'on l'a pas tapé hein.
Voilà. Oh. Ah, et elle disparaît du coup. Ouais, ouais. Prix bien croisé, 150. Ah, là on va rigoler. Alors attends, déjà, on va commencer par faire ça. On va pouvoir s'amuser. Voilà, maintenant que t'es stun, tu vas moins kiffer. Oh, ah ouais, non, je l'ai pas pris. Vous l'avez déjà quasiment fini, je vais même pas pour lui mettre. Mais non, mais en fait, je les stun, et quand les ennemis sont stun, bah ils. Ah, même. Ah, c'est. Ah, je suis triste, je pensais que c'était mieux que ça, stun. Mais moi, j'ai tapé ou. Bah. Ah oui. C'est pas le mal de plus, ça. Je sais plus. Ouais, regarde. Vulnérable. Des dégâts de. Il m'a tiré dessus! Quoi? Vulnérable aux dégâts nécrotiques, c'est ça? Attends, mais il vient de me tirer dessus, le marksman là! Il t'a loupé, hein! Bah. Non, mais regarde, reconstitué de marksman. Enfin, Mist. Mais non, mais. Moi, il a... genre. Non. Pourtant, il a tiré sur le justicière. Il a écrit à utiliser une attaque à distance sur le croisé justicière. Ah ouais. Et ça, ouais, ça doit être un bug dans l'affichage. Hein. Vachement. Je parle. 4 points de dégâts, c'est de la merde. Bah. C'est parce que t'as fait 1 et 1. T'as fait un double 1. Ah ouais, bien de là. Donc j'ai 2d8, je fais 1 et 1 quoi. Ouais, bah bon, ça après. C'est un peu toujours aléatoire. Bon, bah il est mort, hein. Ouh. Hello. À chaque fois que tu fais, on a l'impression que tu comprends pas ce qui se passe devant. Et rien quoi. Pourquoi il a rien sur lui, Justicar là? Ah bah il avait de l'XP. On veut pas le taper lui. Moi je propose qu'on les bute tous, mais c'est plus là. Je sais pas comment. Vous êtes comment vous? Ah moi je suis en parfait état, hein. J'ai quasiment rien utilisé donc. Par contre si on se tatane contre eux, moi je veux être sur une position surélevée. Mais bon, ouais. On va peut-être d'abord lui parler pour savoir ce qui se passe. Il y aura peut-être des informations sur comment retirer l'immortalité. Ouais. De... Surtout que le perso a du flow, si vous avez pas vu sa gueule. Allez, on y va. Après, on peut continuer, hein. Salut. D'abord, on parle, ensuite, on fait le ménage. De toute façon, il est considéré comme mort. Donc, autant faire en sorte qu'il le devienne. Oui. Ah, mais c'est lui, Balthazar, là. And in one piece as well. Not just any true soul would have succeeded in following my path. Quand je dois parler, c'est dans ces moments-là où tu dis, ça c'est un jeu qui est en PEGI 18. Tu sais pourquoi il est en PEGI 18, quoi. Y a pas d'arnaque, quoi. Ah, c'est tout. Enfin, entre le chirurgien et lui, moi je trouve les persos, tu vois. En fait, c'est ça. C'est l'acte 1, il est relativement pipou. Et tu passes dans le 2, tu sais, tu fais waouh, c'est pas le. En fait, je pense que c'est aussi parce que les devs ils doivent se dire, tu vois, l'acte 1. Il y a des gens qui vont s'arrêter là. Donc vraiment les gens qui ont vraiment envie de jouer. Rien que le fait de le voir parler, ça me crispe les joues quoi. Mais là, vous avez entendu la voix surtout du doublage. Moi je trouve que la voix du doublage est trop. Ah non, parce que vous parlez super fort. Je sais pas, j'ai toujours l'anglais. Vas-y Kentax, choisis un truc. Le colcode derrière là. They are mere sketches compared to my masterwork. That would leave you in awe should you be fortunate enough to bear witness. Je sais pas que j'aime bien la voix. Mais après la voix en VO elle est cool hein. Parce que il sait qu'en VO. Que V1. Ah on va pour le buter, on est bien d'accord. On va pour le buter hein. Ouais, après tu peux écouter. Les quelques dialogues, c'est assez cool. Genre, par exemple, le monstre derrière, il va t'expliquer pourquoi c'est. Enfin, qui c'est magique. Ah, mais attends, j'avais pas fait gaffe que le monstre derrière, c'est son crâne qui est exposé. C'est même pas. Un crâne par-dessus, en fait. General Thorn. Rubbish. Everything is at hand here. Zorel merely envies the general's faith in me. I am in the midst of a grand strategy. But you're here now. And I may be able to put those. Limbs to work. You know what's at stake here. I take it.
Allez. Large. Waouh, c'est histoire de dire j'ai participé. C'est ça, il était là. Balthazar headed a monastic order that controlled a place called Amkethran in the deserts of Kalimshan. But he is long dead from what you recall. Il a pas l'air super mort. Oh, him. Yes, I decided to take his name for myself. After taking his rib bones. Suits me better, I think. But enough idle chatter. Keep to the matter at hand. You do know what's at stake here. Yes? Interesting. And private. Give me one reason why I shouldn't have my creations kill you right now, thief. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, Déjà avec le plus 7, plus 4. Fine. I'll forgive your transgressions this time. There are much grander things at stake. Oh, okay. The Night Song is my finest creation. If I never exceed myself, I will still die happy. Not that I ever intend to do something as gauche as truly dying, of course. Now, excellent. Given so your prying nature, I have work for you as a scout. The Night Song lends the general his strength, his invulnerability. It must be recovered. Before his enemies attempt to exploit it. And spoil the surprise? I think not. But let's just say that the Night Song was a unique specimen even before I began my work. Words, even my words, are woefully insufficient. When you see for yourself, you will understand. I do not need you or your help, but you are here in spite of that, so I may as well make use of you. The Night Song is close, but the way is barred, and Shah's dead are uncooperative. Clear the path for me by blade, cunning, or whatever it takes. I will remain here until you have succeeded or fallen. Oh, oh mais tu roules sur la game. Ah bah, on toque plus cette de base. I will assign flesh to aid you on your way. Ring this bell, and he will come. My brother is no intellectual powerhouse. He's strong, loyal. Ah ouais, non. C'était pas fini, hein, si tu continues à creuser. Remember the bell. In part, yes. My poor unborn twin. Mother always resented me for it, said I strangled him in the womb. If you can believe such tripe. Besides, once I developed my powers, I fetched him from the graveyard and brought him back. Gave him a new, better body. Alas, mother was not pleased. Me turn. We're still close. She's in a jar on the shelf. Over there. Oh vas-y, on va lui piquer sa mère. C'est exactement pour. Flesh will remain here until called. But
Don't fear. He has very sharp hearing. I chose his ears myself. Now, get to work. Tu veux dire quelque chose, Will? Bah ouais, c'était exactement pour ces lignes de dialogue que je ne voulais pas qu'on le tue. Bah attends, si vous voulez qu'on le fracasse, on peut le fracasser. Mais le coup du frère et de la mère, je trouve ça génial. Et si vous regardez dans la pièce, vous pouvez trouver justement la jarre avec écrit « Maman ». Ah, maman chérie, ouais. Ouais, c'est tout. Ouais, ouais, c'est... Incroyable. Bon. j'aime bien parce que si tu examines le truc, t'as une petite description, ils sont vraiment restés proches. Ah, il y a plein de coffres. Est-ce qu'on irait pas d'abord chercher la relique, ensuite on revient et on fait du ménage? Ouais, bah, on peut le bousiller maintenant si vous voulez le bousiller. En fait, plus, je sais pas, une fois qu'il aura la relique, ça sera peut-être plus compliqué de faire le fight, non? Non, il faut pas obligé de donner la relique. Ah oui. Est-ce que je fermerai pas la... Ah, on peut pas fermer la porte. This calls for careful footwork. Oh non, oh, c'est relou. Oh, est-ce que je peux prendre maman chérie, tu crois? Oh. Ah merde. Putain, je vais tenter de voler sa maman. En vrai, il est incroyable son spell à lui. Attends, si tu veux, je peux essayer de lui parler pour le... Ah. Je sais pas si là tu peux le... Mais y a un truc qui regarde, je crois que c'est cher. Attends, je vais lui parler moi. Ouais, t'es mieux. Parle à cher. Il est pas parlable. Il est pas parlable. Bah il est dans la discussion avec... Oh, attends deux secondes. Après... Ça... Moi perso je suis caché hein, donc à partir de là... Après si vous lui tapez dessus, parce que voilà, je suis en dialogue donc j'arrive pas à sortir du dialogue. Ah bah si, bah attends. Je me mets plus haut. Impossible d'atteindre la destination. Ah, ils l'ont bloqué ou quoi? Bref. Bon bah tant pis alors. On va le taper hein. Bon, en avant hein. Attends, je peux peut-être... Oh, j'ai peut-être pas gâché un sort tu de peux, zone... tu peux pas aller là plutôt? J'aime bien jouer. Je vous vois vous préparer dans l'arrière-plan, c'est génial. Là où t'es en fait, ils peuvent t'atteindre alors que si tu vas vraiment en haut. Oui, mais faut que je puisse l'atteindre et c'est trop haut. Ah ouais? C'est vraiment mou. Ah, moi je peux aller là. Oh, attends, moi oh, ça a bugué. Porte en pierre, mais j'en viens fou de la porte en pierre, moi je veux jump. Vous me dites quand vous voulez attaquer, moi je vais claquer un truc avant. Oh, un Crowdwarg. Pareil, moi je vais claquer un. Alors, ouais, installe-toi quelque part parce que je vais faire une zone de silence donc. Bah, moi je me mets là-haut, c'est bon. Ah, mais putain, non, je lance le tour par tour ou pas? Oui. Attends. Ce serait bien qu'il soit packé quand même. Ah, tu veux qu'on les pack? Attends, je vais le packer moi. Ah mince. C'est étonnant que tu arrives pas, tu me dis, je te le télékinésie. Alors, je vais pouvoir en paquet, mais pas tous non plus. Attends, par contre, ça va être un combat, hein, c'est ça. Oui. Ok. Bah, je sais pas si Cher il va venir, hein, parce qu'il est. Vu le taille ouais, du visuel. Gros, hein. Mais moi, je peux pas le ramener, tu sais. Attention, peut-être qu'il y aura. Peut-être que tu seras dedans, hein, t'es bien. Auquel cas, si c'est le cas, désolé. Attends, mais je me pousse. Ouais, alors va plus. Ouais. Normalement, c'est bon, là, je te chope pas. 3, 2, 1, partez! Ah si, je l'ai chopé! Bon, bah, vous savez alors... quoi? Ça va partir sur un petit truc de niveau 4 et ça va faire très mal. Voilà, je pense que j'ai fait mon taf. Il a as ton foiré. Oh oui. Attendez. Alors, c'est ça. On va commencer par faire ça. Ensuite, il faudrait faire ça. Voilà. Ensuite,
ça. Tu lances un sort ou je peux lancer un sort de tonneau en plein milieu de vous, tout vous hein. Vas-y, vas-y, moi je balance aussi un sort. Tu peux prendre Balthazar si tu veux. Vous voulez pas essayer de finir de Balthazar comme ça ils ont plus l'aura de Balthazar? J'ai pas de. Ouais, ok, je vais y aller. Ah, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est. En gros. Ah merde, pute. Ah, ah oui, non, attends. Bah, pourquoi t'as enlevé ta concentration? Ah merde. Ah merde, c'est vrai que X c'est un. J'oubliais. Ah, c'est une concentration, ouais. Ouais. Je voulais juste le maléfice cher en me disant voilà, tant pis. Tu lui as mis quoi, force? Ah. Bah, il avait en force donc. Ouais, mais là c'est. Après, je peux le changer. Ah non, parce que ça veut dire qu'il faut que tu le recastes. Non, mais je peux le recaster gratos quand même. Non, il faut que tu tues la cible pour pouvoir le recaster gratos. Ouais, c'est chiant. Ouais, vaut. Mais plutôt constit ou sagesse, comme ça, c'est des trucs en général quand tu mets des sorts qui sont les plus souvent les saving throw. Mais je sais pas si ça. Ouais, ça doit marcher. T'as pas joué en bas? Ouais, je pouvais rien faire. Ah. Ah, t'es en plein milieu. Alors fais gaffe mec, serre les fesses, ça va peut-être ne bouge pas. Est-ce que t'es au combat ou pas là? Oui oui oui, tu peux taper sur Plutus, celui derrière toi. En fait, t'as un spell d'AOE pour buter, pour en buter au moins un. Bah regarde. Oui mais du coup bon. Ah mais si mais. Non mais non mais non mais non mais non. Si tu veux en buter un, c'est que. En fait, j'ai besoin d'en buter un. Tu fais de la musique. Yatox, rappelle-toi que s'il bute un adversaire, il peut avoir des attaques supplémentaires. Ah, bah, voilà. Tu vois que tu n'es pas immunisé à l'électrocution. Ah, il a fait deux coups critiques, il va pas se plaindre. C'est juste des critiques sur une attaque. La aversion du feu. Parce que quand tu le tapes avec du feu, ça lui fout des avantages. Moi, je sais que je vais lui lancer un petit trait. Pourquoi il nous attaque pas les mobs dehors, ils pas. Non, ce jeu c'est pas trop. What? Hein? Yanni? Enculé. Ah, il est passé berserk. Bah, à quoi? Paf! Oh. Ah, mais putain, il est immunisé, c'est vrai. Oh, c'est triste. Je sais pas si je peux mettre. Là, t'as avantage ou... Non, mais y'a pas. Ah, 2 PV. Bon, allez, on se casse. Aïe, ah non, mais bon. Bon, mais on peut pas ramasser maman. Ah, toi, on peut prendre la pixie. Ah non, elle est morte, la pixie. Bah si, on peut ramasser maman. Moi, j'arrive pas à ramasser maman. Ah ouais, non, moi non plus. Celle de tentacule du charognard rampant. Intéressant. Ouais, c'est pour faire des poisons. C'est une quantité de. Merde, j'ai plus d'or. À qui je vais aller taxer de l'or? Hop. Ah, je t'ai filé 500 PO. Et un doigt de géant des nuages. Ah oui, ah ouais, oui. C'est bien ça, vas-y, envoie, je mets. Oula, mais il y a plein de. Oui. Quand je sais qu'il y avait plein de. C'est qu'il y avait plein ouais, de. Ouais, c'était un. C'était un magicien, le. Un
bon gros pack. Ah ouais, t'es allé dans la pièce à côté? Bah non, même pas. Ouais. Alors là, il va y avoir plein de trucs. On peut casser la porte. Non. Ah mais c'est bon, ils sont morts tous ces potes là. Attends, on peut les looter, non? Ça aura pas grand chose dedans. Il n'y a pas grand chose. Ah, collier en or. Pas grand chose, un collier en or. Oui, ça va, tranquille. D'ailleurs, oui, bon, on verra ça plus tard. Faut là, tu penses. Something good here. Je suis devant une porte à lockpick. Crocheté. En plus, ça s'appelle porte de la salle du coffre. Alors, bon, on va essayer de sortir les objets. Putain, j'arrive pas à te viser. Ah, 30 quand même. Bah oui, mais j'arrive pas à te viser. Bah ouais, mais bon, ça, j'ai plus rien. Hein. Ah, ça y est, ça y est. Paf. On a pas de clé. 28 au premier jet. Il a réussi. Après, avantage, il a plus 9 avec Gaiden si ça lui fait minimum. Bah, ça le fait plus 10. Ah, plein de coffres. Ouais, j'ai eu un anneau pas ouf. Nécrotique. Ah, faut que je pense à mettre du poison sur mes armes. Déjà vu mieux comme salle de coffre. Hein. Oh. J'ai l'affaire infernale. On a récupéré un petit peu de thunes quand même. Ouais. Donc là, ouais, c'était bon. Bougie. Ah, l'encens, ça se vend ça. Ouais, 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 bah y'a des trucs d'encens en gros, ça pèse pas grand, ça pèse pas trop lourd et ça rapporte 30 PO et d'autres qui sont tout pourris qui rapportent juste un PO mais. Ouais, je pense qu'on en a déjà quelques-uns. Les lanternes en vrai c'est bien, ça se vend 30 PO. Ouais, les lanternes. Torches bah, Non, les lanternes cassées là. Ah ouais, mais c'est des. Comment dire? C'est des objets de quête donc tu peux pas les vendre. Ouais, quand c'est entouré bah voilà. D'orange, ça se vend pas. Ancien. Un cercle symbole, enfin. Par où on doit aller du coup? Tout droit? Bah là techniquement on peut aller tout droit ou sinon on retourne au centre de la map ici là. Et comme ça vous aurez un beau panoramique si je sais pas pour l'épisode où on en est. 53 on va devoir terminer. Ouais, si vous voulez là si on continue un peu ici y a un beau point de vue. Ah mais alors vous êtes encore plus loin que là où je m'étais arrêté. Arrive. Après par contre je sais pas s'il va y avoir un fight. C'est vrai que la zone a l'air grande quand même. Ouais pas mal. Ah bah... Et c'est pas fini. Ah c'est vrai que ça a l'air très beau ici. Ah là ici la statue je elle pète la classe. Est-ce que vous avez trouvé un raccourci pour retirer. L'interface c'est juste avoir le. Oui. C'est F10 je crois. Je sais plus mais je. Oui F10. F10, exact. Magnifique. Magnifique. Avec la. Ça, c'est vrai qu'il faudrait réussir à avoir. La DA elle est belle hein. Ah ouais ouais ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'aller à un endroit pour avoir la statue en entier? Ah voilà. Pas mal, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vrai que mais putain mais la moitié à poil char en fait. Oh bah toujours. Bah, pour attirer. Pour attirer le chaland. C'est bah ouais on va pas se mentir oui. J'avais clairement pas fait gaffe. C'est purement de la com hein. Putain c'est vrai que la salle est belle hein. Ah ouais non mais. Oui, oui, oui. Bah je pense en que fait, moi je vais pas arrêter là-dessus hein. Ça va être très bien. Ouais, c'est un s'arrêter là-dessus. Char, mais genre, c'est gigantesque. Bah tu vois c'est le gauntlet char, c'est.
plus qu'un temple, c'est vraiment un lieu très important pour Char. Après, si jamais vous lisez les bouquins, ça vous explique le lore, sinon je vous expliquerai ultérieurement à quoi ça sert. Ou alors, si vous voulez pas vous spoiler et garder en gros l'explication avec votre run solo avec Shadowheart, vous l'aurez. D'accord, mais moi je le ferai pas. Shadowheart, elle est de Char. Ouais, ouais, c'est une disciple de Char. Pour ça qu'elle est pas ultra cool. Et en même temps ultra cool. Bah ouais. Franchement, le développement des personnages est vraiment bien. Il y en a que deux, je crois, qui vraiment sont pas fous. Mais après, tous les autres persos ont des développements de personnages assez intéressants. Ah mais attends, mais j'ai mon amulette qui me parle. Oui, elle fait des réflexions de temps en temps. Ah vas-y, clore la session. Ouais, on va stopper la discussion avec l'amulette. Ça va pas être super intéressant. Allez, c'est sur ce beau point de vue de statue qu'on va se laisser. On fait des bisous tout le monde. Bisous.